The President, please be seated. Veuillez vous asseoir. The court is now back in session. Reprise de l'audience. We would like to now hand over to Judge Laverne to continue la parole au juge putting the questions to the witness. Interrogatoire du témoin. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. President. Monsieur le témoin, donc witness, à la suite de l'évacuation des étrangers de Cambodge, des informations ont commencé à information circuler. Started, pouring out. Est-ce que vous savez quelles and ont été you know les réactions des autorités cambodgiennes par rapport à ces informations concernant l'évacuation circulating de la regarding Le Pen, concernant l'évacuation de Phnom Penh, des exécutions sommaires. For example, information regarding executions. Est-ce que vous êtes renseigné pour savoir comment évolue la situation? Did you inform yourself to try to see how the situation was developing? Response. I started to find out what had happened since September 1975. Faire des recherches sur ce qui s'était passé de dès septembre 75. I listened to Mr. Ian Sari in France. He talked about Yang Sari en France. Good things in Cambodia. Il parlait des bonnes choses qui se produisaient au Cambodge. And he also convinced some or invited some students to return to Cambodia. Des étudiants rentrés au Cambodge. He continued to say that he asked people not to believe people who talked de demander aux gens bad de about Anka. It was a lie. Ce qui était dit à l'encontre de l'Anka, que c'était des mensonges. 1977. Et en 1977. In my book Cambodia Year Zero, dans mon ouvrage Cambodge Année Zéro, Ian Sari also talked about the challenge the content in the book. He said everything written in the book was completely wrong. Il a dit que c'était une fabrication. Je voudrais revenir aux instants qui suivent immédiatement l'évacuation des étrangers de Cambodge. Nous avons au dossier un certain nombre de documents, dont un document qui s'intitule « Communiqué de presse du ministère de la propagande et de l'information du gouvernement royal de l'Union nationale de Kampuchea » sur le départ des étrangers de Kampuchea. C'est une déclaration qui daté du 10 mai 1975 dans laquelle le gouvernement de Kampuchea explique qu'il n'avait pas d'autre choix que de procéder à l'évacuation des étrangers. Il dit également leave, ceci. It's also stated that, que l'évacuation s'est faite malgré les innombrables préoccupations qui existaient pour résoudre despite, de façon urgente les moyens d'existence de notre peuple way, qui a enduré en plus de 5 années de malheur et de souffrance that went par la guerre criminelle des barbares et des sacrifices des impérialistes américains malgré wars. Que nous manquions de moyens de transport we did not have any et que nos voies de communication terrestres, fluviales et aériennes soient presque entièrement détruites rivers, tout cela démontre
clairement notre haute moralité et notre sens élevé de la justice et de l'équité. En leur âme et conscience, les étrangers transportés jusqu'à la frontière ne peuvent prétendre le contraire. Dans cette situation difficile, nous manquions de tout. Les soins que nous avons pris pour accompagner tous ces étrangers montrent parfaitement notre sens moral élevé. Mais les impérialistes américains et leurs complices ont utilisé leur machine de propagande pour gonfler exagérément cette affaire, poursuivant ainsi leur activité hostile à la nation et au peuple du Kampuchea. Cela est dû à leur nature agressive et cruelle et à leur basse rancune contre la nation et le peuple du Kampuchea. Ça continue encore. Feeling of vengeance towards Cambodia. Est-ce que vous étiez au courant de l'existence of this communiqué? Kiabat Squal Aikasani. Response: No, I don't. Oui. However, I support the first part of the statement that Anka paid attention to foreigners. Donc l'Ankar s'est occupé des étrangers. In Cambodian context, during the difficult time, I would not wish to talk much about foreigners, because we were in Cambodia. Whatever happened to us, we had to be responsible for ourselves. And I would like to also talk more about Cambodian people rather than the foreigners. Parler des Cambodgiens que des étrangers. On va y revenir juste avant. Je voudrais noter pour this, but, donner les indications first, suivantes. Ce document figure à la cote D359/1.1.56 ainsi qu'à la cote D. Well, as 199/26.2.116. Alors, vous avez dit que vous aviez cherché à vous renseigner parmi les sources d'information. Among the sources of information that you, me semble-t-il, aussi beaucoup utilisé la radio. For example, radio. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette source d'information? En quoi était-elle intéressante? These sources of information. How were these sources of information relevant? Mundamborg. Response. First, I took refugees as the great sources of information. The information I gathered from September 1975 was based on these sources. Provenait de ces sources. Pontin. Nonetheless, when it comes to refugees, we have to be careful because we would like to seek the truth. And refugees would exaggerate information because they had suffered. That's why they talked something which perhaps may not be true. However, the accounts I have gathered from refugees on several occasions, these accounts were well shared by other refugees from other provinces, including Battambang, Swiring. They talked the same accounts. And having collected these accounts, I can compare whether the message is true. And at the same time, I also had some idea. Et j'avais aussi I have a kind of preconcept. I supported Anka, and I believe that leaders of Anka got educated in France. They were intellectuals. They were well educated, so they would know much about what happened in Cambodia. And to learn more about them, I started to listen to radio broadcasts. The radio broadcast by the Democratic Cambodia. And I got friends of mine who recorded the radio broadcast and had them sent to me to listen. Pour que je puisse les écouter.
I would like to know the ideology of the Khmer Rouge. Je voulais comprendre l'idéologie Khmer Rouge. And as I told you, I had the idea. I understood that Khmer Rouge would not comprise of bad people. De départ, que les Khmer Rouges n'étaient pas composés. I was convinced that these people had a better plan for the good of their country. They would never do damage to their own people, for sure. Qu'ils ne voudraient jamais faire du mal à leur propre peuple. The Democratic Cambodia's radio broadcasts talked about this, and the refugees also gave me the accounts and how they were influenced by the ideology. But these people did not know very much about what had happened around them. And I listened to the radio broadcast, and at the same time, I tried to explain to the refugees on what happened in the country. D'expliquer aux réfugiés ce qui se passait dans le pays. So there were two sources of information I have gathered. J'ai donc puisé à deux sources. These sources of information were collected scientifically and at the same time they would be combined so that I could get the full accounts. Et je les ai mis ensemble pour pouvoir avoir une meilleure compréhension. Alors, à propos de ces auditions, de ces comptes rendus d'entretien avec les réfugiés. Vous avez écrit au juge d'instruction il y a une lettre investigating judge on 4 décembre 2009 et vous dites ceci. Est-ce que vous avez remis au juge Le Monde, vous avez fait parvenir au juge Le Monde en fait judge Le Monde, in fact, un certain nombre de témoignages écrits, accounts, of written accounts, il y a deux catégories. Il y a tout d'abord des traductions résumées en français there are summaries and translations in French of 94 témoignages refugee accounts, qui représente à peu près 300 pages, and that amounts to about 300 pages, 300 typed pages. Et d'autre part, la traduction résumée en français d'une centaine d'interviews de réfugiés. Then there's also translations and summaries of about 100 refugee accounts, and you interviewed in Paris ceci, or in Thailand. And you say the following: out of the 94 accounts, some of these accounts ou dans les camps de réfugiés, were gathered in France Thailand, or in Thailand by myself. Orally, entre 1975 et 1976, pour d'autres, le père Venet qui était présent for others, dans les camps, who were, Father Venet, therefore, Venet, who qui était présent dans les camps, a demandé à certains camps, réfugiés d'écrire leur vie dans le Kampuchea démocratique. Their lives in J'ai democratic traduit ces écrits. Kampuchea. I translated Je suis ensuite accounts, allé dans les camps vérifier ces témoignages I went to the en juillet camps to 1976. July 1976. La grande majorité and de ces témoignages ont été recueillis were en Khmer, in Khmer sauf certains except en français. For some of them in French. Ces témoignages n'avaient d'autre but the que only aim of these accounts mieux la situation was to understand as best as possible the situation in democratic Kampuchea in order for the French people to know about it through service documentation various publications such as the documentation center of the Ministry of Foreign Affairs. So this is something that was conducted seriously, but it was not a scientific job. Du livre Cambodge, and I used these zéro. Documents to write the book Cambodia Year Zero. Voilà, donc, d'ailleurs, vous avez and références, in donc, fact, à, you ces, refer dans to votre, these dans votre summaries livre. In your book. Et vous dites and you also say the following regarding réfugiés, the other refugee la interviews. Même a été the same dans le même method but was used for the same purpose for the refugee accounts after I published Cambodia Year Zero. Dans les deux, and you dans, also dans les deux explained cas, that in both cases les enregistrements the qui avaient été recordings ont été détruits, were destroyed. Et je ne
suis malheureusement pas en mesure de vous communiquer les versions Khmer originales. Il y avait également donc des enregistrements audio. There were also audio recordings I see with these audio recordings of the accounts of these Khmer refugees. Is that the case? Response. Normally, when we interview a witness, we allow the person to speak and we would record his or her testimony because by writing we would not cover the full message. And that with that record, if we would like to have it verified, then we would go back to the recording. And I interviewed several hundreds of refugees. And after several years, I have already discarded them. Mais cela fait, cela remonte à très longtemps et j'ai jeté les bandes. Donc vous avez indiqué avoir complété vos sources d'informations à l'aide des enregistrements radio que vous faisiez parvenir et vous avez également fait référence non seulement aux enregistrements audio qui étaient faits de ces émissions radio mais également aux traductions d'extraits de ces émissions dans le Summary World Broadcasting. By the Summary World Broadcasting that was broadcast by the BBC. Est-ce que vous avez également puisé à ces sources ou pas du tout? Did you also use these sources or not at all? Response. No, I didn't cite the sources from the BBC because I couldn't speak English and it would be difficult for me to use the sources. Il aurait été très difficile pour moi d'utiliser ça. And translation is not easy because we cannot really translate the right messages most of the time. Ce n'est pas facile et il est I went to the bookstore and I also went to another place in France where communist books would be published and displayed. So I collected the information concerning the information on Cambodia because at that time these resources were not plentiful because Angkor did not write much. At the beginning, I heard the term Kama Pibal or Kadre, and I tried to understand this Khmer term by understanding the combination of words. I thought that Kama Pibal or Kadre would be the person who govern or who administer some works because it could have come from French term cadre. And I used to also feel that Angkor used strange, unusual terms. And we have here a Steve Header. Que l'Angkor utilisait des mots inhabituels et étranges. Et il y avait Steve Header ici. For example, Steve Header is the best researcher on the Democratic Cambodia and Angkor. Le meilleur chercheur sur le Cambodia démocratique et l'Angkor. By 1979, up until 1979, he supported the Khmer Rouge and he was a member of the Amnesty International. And he never talked bad about the Khmer Rouge because he enjoyed living in Cambodia. And he also wrote an article to Noam Chomsky, who was about the misunderstanding and translation in Cambodian world, and he criticized Cambodia
concerning the translation of the terms. And sur la traduction et la critique de Cambodge sur la façon dont les termes avaient été traduits. Talked about this and I captured this in my book Cambodia Year Zero. And the reason he criticized the translation of the terms because he was not the one who lived through democratic Cambodia. C'est fait par des gens qui n'avaient pas vécu la période du Cambodge démocratique. Now I can give you two examples. Je peux vous donner the deux head exemples. Monk le moine in my principal book. Dans mon livre. When we say Kanyasang, which means the Monk qui signifie head or committee, but still had to say that I did not know Khmer very donc, much Steve because Adel when it comes to Khmer, it means group, and group here groupe. Referring to Mahayana, Mahayan. Et qui est un terme rather, it's a. When it comes to Kana Sang, it's the Song committee for the monk rather than the head monk. And le moine en chef. More importantly, the Khmer Rouge used some other terms that Mr. Steve Hader did not want us to use. For example, Puk Mai. And Puk Mai mean parents that were used in this Khmer Rouge time at the rice fields. Ils ont oublié cette expression dans les parents rizières. Qui prépire ça? Dans les rizières, sous le Cambodge démocratique. Voilà, je vais vous interrompre parce que nous avons malheureusement manqué de temps. Unfortunately, we don't have a lot of time. D'autres questions we à have aborder. Other questions to put to you. Pas que cette question va intéresser beaucoup les linguistes. I'm sure what you're talking about could interest linguists. Peut-être d'autres priorités. But we might have other priorities parmi right les, now. Les documents auxquels vous êtes référé pour essayer de comprendre ce qui s'est passé sur place, what was happening est-ce que vous êtes in référé Cambodia? À des documents officiels? To official documents that were published in particular Grunk by the Grunk mission in Paris. Grunk response. Grunk had a house in Paris. Le Grunk avait une adresse à Paris. Chuk Piranto was the man who was in charge of the mansion. And I also de cette adresse. Looked at the documents and we study the purpose of Anka and we criticized whether it was right or wrong that Anka did like that and also et we listened to what the refugees had to say about this. Si l'Anka avait raison d'agir de cette façon et nous voulions savoir ce que les réfugiés pensaient de cela aussi. Alors pour que les références en soient notées, je donnerai à titre d'exemple un document auquel vous êtes référé dans votre livre Cambodge Année Zéro, qui est le bulletin d'information de la mission du Grunk à Paris, which is the information book, le numéro bulletin spécial of the Grunk numéro mission in Paris. 220 it is bis number 220 bis sur 75. Out of 75, en date du 12 septembre dated 12 September 1975, document and the document D199/26.2.137. Alors c'est un bulletin qui est assez intéressant puisqu'il est date de peu de temps après la chute de Phnom Penh was produced et dans lequel a on short trouve while notamment after the fall of Phnom Penh, une interview de M. Khieu Samphan, we see in it an interview of Mr. Khieu Samphan, vice-premier ministre who was et commandant the en chef the prime minister and commander in chief of the FAPLNK au représentant de l'agence d'information du Kampuchea en date du 12 août 1975. RN en français the French ERN 00-38-68-86-89 to 89. ERN en anglais
Donc, on n'aura pas le temps, je pense, d'aborder le contenu de cette interview, qui pourtant est intéressante. The interview, juste en deux mots, Monsieur Que Sampan dit ceci, il parle de la situation qu'il découvre en 1975, et il dit, nos compatriotes, our compatriots, par millions, étaient rappelés de force, et enfermés dans des camps de concentration dans Phnom Penh et dans les autres villes sous contrôle provisoire de l'ennemi. Les victimes n'avaient pas de nourriture. Le choléra les décimait impitoyablement. Les familles étaient douloureusement séparées et éparpillées dans tout le pays. Immédiatement après la libération, le Grunk et le Funk, tout le peuple et toute l'armée populaire se lance avec détermination pour résoudre tous ces problèmes. Séquelles de la plus sauvage guerre de destruction et d'agression de l'impérialisme US et de ses valets. Question, comment résoudre ces problèmes? D'une part, les populations à la campagne avaient consenti tous les sacrifices pour vaincre la guerre d'agression et de destruction des impérialistes US et de leurs lackeys, et ont souffert pendant de longues années. D'autre part, les populations des villes par millions qui venaient d'être libérées souffraient de la famine du fait de l'ennemi et étaient dans un état lamentable. Ce problème est d'une gravité sans précédent. Nous devons le résoudre sans perdre un seul instant, car c'est une question vitale pour notre nation et notre peuple. Nous avons pu rassembler toutes les forces, de tout notre peuple, de toute notre armée, pour lutter et vaincre cette nouvelle situation extrêmement grave, en s'appuyant sur notre profond patriotisme, sur l'esprit d'être indépendant et souverain, d'être maître de la situation et de ses décisions, d'avoir confiance en ses propres forces, de tenir fermement entre les mains sa destinée et celle du pays. Après plus de trois mois de lutte opiniâtre, nous avons pu résoudre fondamentalement ce problème. Nous avons ravitaillé en vie tout le peuple dans tout le pays. Ce n'est pas l'abondance, mais nous avons pu régler ce problème vital. Notre peuple a de quoi vivre normalement et travaille avec dynamisme pour relever l'économie. Un peu plus loin, il conclut ceci. Maintenant, nous avons résolu pour l'essentiel toutes les difficultés et notre patrie connaît une profonde métamorphose. La tendance de l'évolution de la situation va vers une amélioration continuelle. Je peux assurer que nous n'aurons jamais ni crise économique, ni chômage, ni inflation, ni montée des prix. Or price hikes. Alors, sachant qu'il n'y avait pas de monnaie, knowing that of course there was no currency, comme discours, mais this might be a little bit surprising. Vous souvenez de cette interview de Monsieur Que Sampan? Je précise qu'elle date du mois d'août 1975. That it dates back to August 1975. Yeah, the president, witness, please observe some pause. Please see the red light before you speak. I do not recall clearly, but this was the propagandized words
I read a lot of propagandized words, but I did not pay attention to it that much. On this particular issue, it was completely different from what I heard from the refugee. That's why I do not believe in this statement. C'est pourquoi je n'accorde pas foi à cette déclaration. I listened to the voice of Democratic Cambodia on almost everyday basis. Pratiquement tous les jours. They broadcast the last part, the finding of the Khieu Samphan dissertation, which indicated that people had to transform Cambodia into. Les problèmes de modernisation a notamment été évoqué dans ces émissions, dans la dernière partie. They broadcast the finding of his dissertation. And the refugee did not understand the reason why the UNCA made people to work that hard to build dike and dig a reservoir also. But actually, UNCA had the plan, and that plan was not necessarily written, but it was to transform Cambodia into, and the plan was not clear-cut, and people the UNCA wanted people to build dike and dams in order to be self-reliant and self-sufficient for the country. This is the principal agenda of UNCA, and I am actually myself find it satisfactory. De l'Ankar. Et ça peut être. Even now, somewhere around Orang Eul, I actually restore the water reservoir and canals where the UNCA actually made people to dug up this water reservoir and irrigation system. I actually did not like the way they treated people, they abused people, or they actually made people work too hard. But actually, I think that the plan was very well implemented and structured. Si j'ai bien compris ce que vous avez dit, vous avez dit qu'on avait diffusé des extraits de la thèse de M. Khieu Samphan. Je ne suis pas sûr que nous ayons bien entendu ça dans le canal français. I'm not sure that we heard donc, this properly thèse in French, de M. Khieu Samphan à la radio Khieu Samphan's pour justifier l'effort qui était demandé à la population pour la réalisation de grands travaux, le creusement de digues et de barrages. In order to dig canals. Est-ce que c'est bien ce que vous avez voulu nous dire? Is that what you're telling us? Que yo sekedai que men prap en pisarana lo. Actually, they did not make mention that it was an excerpt from the dissertation, but it was actually the last page of mais his dissertation in order to motivate people to work. De motiver les gens à travailler. This was actually very good plan. C'était un très bon plan. Très bon. Comme dat très bon. Comme dat qui est pas une cas coursam. It was très bon. Fairly good plan. C'était un plan assez bon. Ne s'attavoit Timo. In the 20th century. We could be self-reliant and self-mastery. We based on agricultural production. Siècle, at that time, we were self-sufficient because our agricultural sector was robust. I apologize, Your Excellency, Khieu Samphan. I can. Problem d'industrialisation. Comme tu l'as. I confused the title of your dissertation with that of Mr. Hunim. J'ai confondu avec le titre de la thèse de Hunim. Si
si vous faites référence à une page précise de votre livre, est-ce que vous pourriez nous dire à quelle page vous faites référence? Ou si vous n'avez pas cette référence immédiatement, peut-être pourriez-vous nous donner cette référence demain matin? It is on page 113. C'est la page 113. Alors, c'est la, une précision aussi, parce que nous avons différentes versions au dossier. C'est la page 113 de l'édition en français et de l'édition originale, celle qui a été publiée donc en mars 1977, pas l'édition Kailash. That was published in March 1976. On the 3rd of April of February 1977. Alors, revenons au bulletin d'information de la mission du Grunk à Paris, dans laquelle était cette interview de Monsieur Kessampan. Pour information, il y avait également beaucoup d'autres documents qu'on retrouve ailleurs au dossier d'ailleurs, notamment une interview de Monsieur Yang Sari avec James Springer du journal Newsweek en date du 4 septembre 1975. Déclaration de Monsieur Yang Sari également à la session extraordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU en date du 30 août 1975. August 1975, Yang Sari, speech, Vice Prime Minister of the Group, chef de la délégation du Kampuchea à la session extraordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU du 30 août 1975. Voilà. Donc, ce sont en gros les sources sur lesquelles vous êtes appuyé pour effectuer vos recherches. Donc, ces recherches ont abouti à la publication de nombreux articles. Certains sont parus dans la revue Échange France-Asie, d'autres sont parus dans d'autres journaux, notamment il y a un article qui est paru dans le journal Le Monde les 17 et 18 février 1976, c'est le document D133-1.2. Et là, vous faites état de ce que le Cambodge connaît a priori une révolution qui est qualifiée de radicale. Et vous lancez une sorte de cri d'alarme. Vous dites qu'il est possible qu'il y ait eu plus de 800 000 victimes depuis le début de cette révolution. Il y a également des articles qui sont parus dans la revue des mondes asiatiques, et puis vous publiez votre livre Cambodge Année Zéro en février ou mars 1970. Il est peut-être écrit en février, mais il me semble qu'il est paru en mars. You had written in February, but it was only published in March. Is that correct? Alors pour le transcrit, parce que votre micro n'était pas ouvert, vous venez d'indiquer que le livre Cambodge Année Zéro est sorti donc le 3 février 1976. Et puis vous avez également participé à la rédaction d'un bulletin qui s'appelait le bulletin d'information sur le Cambodge. Vous avez écrit Cambodia. Dans d'autres revues, les journaux La Croix, Études, Esprit, vous avez également participé à de nombreuses interviews, radio et télévisées, Television et puis ce qui va nous intéresser maintenant, vous avez également participé à la rédaction d'une commission, d'une communication, donc vous avez participé à la rédaction d'une communication de la Commission internationale des juristes, en application de la décision de la Commission des droits de l'homme. C'est un document qui date du 16 août 1978. La situation du Cambodge, sans doute aussi en partie grâce à vos efforts, puisque vous avez été sans doute l'un des premiers à tirer la sonnette d'alarme, a été porté devant les instances internationales, et notamment devant la Commission des droits de l'homme. Bring before an international audience, particularly the Human Rights Commission. Qu'est-ce que vous nous dire à ce propos? Est-ce que what can you tell us about that? Dans quel contexte cela s'est passé et in what context quels ont été le résultat de ces démarches? Did this occur? And what were the results? What was the ultimate outcome of your participation? Mundabong, kemsom bontiata.
First, I would like to make it clear that I am not a politician. Laissez-moi préciser que je ne suis pas un homme politique. I write the books or I speak on the broadcasting system because I wanted to share my feeling with the Cambodian people who are suffering from the difficulties and enduring all the suffering. Les souffrances et les difficultés du peuple cambodgien. I have lived with the Cambodian people both during happy times and sad times. I am not a politician, heureux, not until today. Avec les Cambodgiens et à ce jour, je n'ai jamais été un homme politique. Kiamandeng Mulahed, la Commission internationale des juristes de Chenbourg, Genève, comme Kiam, m'a secrétaire Irikan, Kanakamaka, report with this cette commission des juristes à Genève, on the human rights status of Cambodia at the United Nations. Sur la situation des droits de l'homme devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. It was on the 15th of July 1978. Back then, I was like an object from nowhere, from another alien planet. Nobody listened to me. They did not pay attention to what I said at all. I wonder why they did not listen to me. That's why, I do not really like the way the United Nations works. They actually not they did not know. Actually, they had known it very clearly. They had the their agents along the border. They must have known it very well. They knew that the Khmer Rouge had killed a lot of civilian people, but they chose to be indifferent of this situation. I did not understand why they chose this course of action. C'est l'indifférence qui a été privilégiée, et je ne comprends pas pourquoi. No, actually, I do understand. Ou plutôt si, je comprends. I understand because there was a the ideological warfare between the Soviet opposant and China. There was the Cold War going on. Et la Chine, il y avait la at that time, the American soldiers were defeated in Vietnam, so all the remaining or residual issue was left to China. So China gathered all the support in the United Nations against Soviet at that time. And at the times, they made use of the Khmer Rouge in order to go against the Soviet. Rouge dans son jeu contre les soviétiques. Tiepisset. Especially from 1979 surtout onward, à partir the de 79. Soviet, or rather, China and the United Nations made use of the Khmer Rouge in order to be against the Soviet. I am ashamed of the United Nations. They supported the Khmer Rouge for 19 years, even though they knew that the work that the Khmer Rouge had done was barbaric, and they killed innocent people, but they chose to be indifferent. Mais c'est l'indifférence qui a été choisie. What is the meaning of human rights? And we want to, we accept the value of human rights, but if we ignore the human right abuse in the country, I feel ashamed of the United Nations. Les violations des droits de l'homme, c'est une honte, et j'ai honte pour les Nations Unies. I am actually ashamed that the United Nations is coming in and now taking part in prosecuting the Khmer Rouge leader. I am really ashamed of the United Nations. I don't think that they should be involved in bringing the Khmer Rouge to trial now. Puisse à présent intenter des poursuites contre les Khmer Rouge. Alors, revenons à l'année 1978. Let us return to the year of 1978. Revenons à la Commission des droits de l'homme.
devant laquelle la situation du Cambodge a été examinée. Elle a été examinée tout d'abord, lors de la 34e session en mars 1978, et à cette époque-là, le représentant de la Grande-Bretagne avait demandé au secrétaire général d'inviter le Kampuchea démocratique à commenter sur la situation étrangère. Cette demande a attiré les foudres du ministère des Affaires étrangères du Kampuchea démocratique. Néanmoins, un certain nombre de pays et d'organisations ont adressé des rapports à la Commission. Certains de ces rapports proviennent de la Norvège, du Royaume-Uni, également d'Amnesty International et des États-Unis. Le rapport de la Norvège est notamment fondé sur les résultats d'une audience internationale sur le Cambodge qui avait été organisée à Oslo les 21 et 23 avril 1978. Il s'était agi d'entendre un certain nombre de témoins. A certain number of witnesses and experts were heard. Vous avez été entendu. You yourself had appeared. Et ces audiences ont donc servi de fondement pour écrire le rapport qui par la suite a été adressé à la Commission des droits de l'homme. Alors, je voudrais maintenant que l'on Commission. En vienne précisément au contenu like for us to focus de on the content. Ce rapport. Of those reports. Donc, c'est le document. I'm referring to E3-1804, ERN en français 00-23-31-58 à 00-23-31-70, ERN en anglais. 00-08-75-24-75-36. Donc, ce rapport contient un certain nombre de conclusions. A certain number of findings. Est-ce que je voulais savoir si vous considérez que ces conclusions sont toujours I just wanted to know if you believe that these findings are still relevant to this day. Ceci, c'est à la page ERN en français 00-23-31-61. Vous dites ceci. Après examen de témoignages de plusieurs centaines de réfugiés, Refugee accounts, which number in the hundreds, it is quite possible avec certitude to establish with certainty the following facts. Premièrement, firstly, executions. La quasi-totalité des officiers, all hauts fonctionnaires, the officers, policiers, senior officials, agents de renseignement, intelligence agents, personnel de la prévôté militaire customs officials and military ont été exécutés dans les premiers jours qui ont suivi la victoire du 17 avril 1975. Des récits détaillés et totalement indépendants ont été recueillis detailed dans les and villes independent de accounts Phnom Penh, were obtained Battambang, concerning the towns of Phnom Penh, Battambang, Siem Reap, Oda Manche, Pailin, Preavihir, et d'autres localités moins importantes. And other smaller settlements. Le personnel de ces catégories qui avait réussi à cacher son identité durant les premiers mois who succeeded in concealing a their été identities systématiquement during the first recherché, few months, have been systematically surtout depuis le début de 1976 especially since early 1976 and executed.
On signale de très nombreux cas où les épouses et les enfants de ces personnes cases, ont également été exécutés. Les sous-officiers, les hommes de troupes, les petits fonctionnaires, non-commissioned officers, les chefs de 10, army privates, de 50, minor de 100 officials, les membres of des 10, milices paramilitaires, 50, or 100 households and members of paramilitary militia groups. Certains were treated differently according to the region concerned. Some were executed during the days immediately following the revolutionary victory. Ont été envoyés dans des camps others were sent de travaux extrêmement to durs, extremely hard labor camps, pratiquement des camps de la mort. Practically death camps. D'autres ont été autorisés à regagner yet leur village natal. Were allowed to go back to their native certains villages. Y furent exécutés en 1975, where some of them were executed in 1975, activement depuis 1976, while the remainder et pour le plus grand monde, have pour been le plus actively grand nombre, sought out exécutés. Since 1976 and have mostly been parmi executed. Les médecins, les ingénieurs, les professeurs, instituteurs, étudiants, élèves, on peut signaler des cas d'exécution cases sommaire of summary execution of doctors, engineers, professors, il ne teachers, semble pas students, and students. Que ce fut le cas général. School pupils ils occurred during the first few weeks, spéciaux. But this does not seem to have been the general rule. D'autres fois, ils ont they été mêlés à la population et ont été l'objet de vigilance particulière. And were sometimes absorbed la in the population, faute, but were placed under special supervision, the slightest offense, the slightest offense on their part against murmure, revolutionary morale, be it sanctionné grumbling, par la mort. Lack of zeal at work, depuis was punished 1977, by death. Since 1977, it seems that they have been systematically sought out and executed. Les individus ayant montré quelques désapprobations avec le régime, persons showing any disapproval of the regime sont généralement l'objet de corrections verbales, are generally subjected to accompagnées verbal correction parfois de sévices, or edification, privation sometimes de nature, accompanied by exposition au soleil sans boire, punishment, manger, deprivation etc. of food, bastinado, sont exposure to the sun prison without food or drink, etc. À la deuxième ou troisième they are sometimes faute, imprisoned. C'est la mort. A second or third offense. En 1917 et 1918, les épurations sanglantes ont frappé l'appareil même de l'État, bloody purges du moins struck dans la région at the state nord, machinery Battambang, itself, Siem Reap, Oda, in the northern Manche, region at least, Préville, in Battambang, Siem Reap, Oda Manche, Préavihir, Kompongtom, and even in Kratier Kompongcham, ont été large arrêtés numbers et exécutés, of officials, le plus souvent avec leur famille, were arrested and executed, usually with their families. Peasants working under the orders of certain officials sometimes suffered the same fate. Oui, si vous permettez, Monsieur le Président, je désolé de vous interrompre, Monsieur le Juge, mais il semble qu'on sort totalement du champ du procès, que vous vous apprêtez à faire réagir un témoin sur des questions qui ne concernent pas la définition de ce procès. At all in correspondence with the scope and definition of this trial. Je ne sais pas si je dois. May I add something to the suggestions of my Copé, j'aimerais ajouter quelque chose à ce qu'a dit mon confrère. I also believe that, moi aussi, je suis d'avis, as I have said earlier, comme je l'ai dit plus tôt, the witness is a witness, que le témoin est un témoin. That he has witnessed, par rapport aux événements dont il est témoin, c'est pourquoi but c'est I'm un not témoin. Sure if we should ask him mais questions je ne sais pas si l'on peut lui poser which have des the questions scope of treating him like an expert, which seems qui reviennent à le considérer comme un expert. En toute déférence, Monsieur le Juge, j'ai l'impression que c'est ce que vous êtes en train de faire. The President, le Président, prosecutor, you la may parole proceed. Est au procureur. Merci. Je crois qu'il y a deux questions différentes qui ont été posées par la défense. La première est de savoir si firstly, le rapport ou cette communication aux Nations Unies sort ou non du procès qui nous occupe. United Nations, je crois que les choses sont claires à ce niveau-là. Un certain nombre d'extraits du rapport ont été lus concernant les exécutions. La plupart de ces extraits font mention justement
d'exécutions qui ont eu lieu juste après la victoire du 17 avril. En tout cas, c'est le cas pour la quasi-totalité des officiers, aux fonctionnaires, policiers, etc. On en parle également par la suite. On parle de 76 et dans certains cas de 77. Mais there's pour also chaque mention catégorie of the execution de of certain countries afterwards in 1977 and 1978. En tant qu'expert, enfin c'est ce que obviously, la défense de Nunchia a utilisé comme terme, believes, je constate simplement, je crois que ça en dit long, qu'en 1978, les Nations Unies, la Commission des droits de l'homme, avaient considéré qu'il pouvait bien s'agir d'un expert, étant donné le travail en amont qu'il avait fait auprès des réfugiés. Donc il est parfaitement possible pour lui de nous faire ses commentaires sur ce qu'il a écrit à l'époque. In his capacity as an expert at the time. Thank you.
The President. Le Président. Counsel for Mr. Khieu Samphan's objection. L'objection de la défense de Khieu Samphan. Was supported by counsel for Nguyen Chi is not sustained. Et rejeté. The questions are put by the bench. And finally, it is the bench that will il s'agit là de questions posées examine par or des analyze juges. The property value et of the testimony. And ce sera à la chambre now d'évaluer la valeur probable des réponses. This afternoon session coming to an end, we would like Judge Levine to finish putting the few final questions. Nous sommes à la fin questions. De la séance de l'après-midi. Nous demandons au juge Levine de poser ses dernières questions. Bien, je précise aussi que les informations like qui sont contenues dans ce rapport ont des liens directs avec l'étendue des faits qui sont visés dans l'étendue de procès. Link, et il y a notamment aussi trial, des conclusions, des informations qui concernent les déplacements de population. Regarding, the evacuations. Et vous avez dit ceci, and la population de Phnom Penh so the population et de toutes of Phnom Penh les villes and et of all of the cities des and towns zones gouvernementales in a été déplacée durant les jours qui ont suivi le 17 avril 1975. Des hôpitaux ont été vidés, les blessés et malades opérés ont dû quitter leur lit. And the ill had to leave their beds, and those who were not able to move la mesure de déplacement de population a affecté plus de 4 millions de personnes involved more than 4 million people and caused vieillard, the death of many enfants, elderly people, young children and pregnant dire, women. So can you tell us, witness, based on what information were you able to write this account? Response. I interviewed several hundred j'ai interviewé refugees. Plusieurs centaines de réfugiés. With that, there is no shred of doubt at all. Il n'y a donc and aucun doute là-dessus. In order to tell the truth, during the Khmer regime, one place was different from another. I gathered information et from Badum Bang, considérant que and sous les Khmer Rouge, il y I did not obtain régions, sources of information from other locations. J'ai obtenu Mr. des informations Vickel, de Badum Michael Bang, Vickery, pas d'autres endroits. Monsieur Michael Vickery, who wrote a book Cambodia 1975-1982, he criticized me on several Cambodge points, 1975, and I indeed accept his critics, and I thought that people would receive the same treatments all et across the country, but I learned that indeed people were treated differently from one place to another. Les gens étaient traités différemment. The plan was common in all places, but the restriction, le plan the discipline, was harsh même. On one location. Then the other. La discipline pouvait être plus stricte dans un endroit plutôt qu'un autre. And in this report, when I wrote in 1977, I dans ce rapport où did j'ai not évoqué les know about the war that was waged between Khmer and Vietnamese. I n'étais même pas au courant du conflit qui opposait le Cambodge au Vietnam. I was suspicious that there, it could be a war, but there was no information éclater. That could support this suspicion. Mais je n'avais aucun renseignement pour and le prouver. The Khmer Rouge attacked
the Vietnamese at the border area, and the hostility happened, and it resulted in some casualty. And also there was what we call the what Tamok called the Second Revolution. Long de la frontière, and cela causait plus Tamok, de Tamok was ça, la révolution. In charge of the southwest. Tamok, lui, and along with Pol Pot in the west, they started to reshuffle cadres all across Cambodia. Et Pol Pot, by 1977 and 1978, people in the rank of the Khmer Rouge, a lot of them died. Beaucoup de gens dans, for example, dans les rangs des Khmer Rouge. Par exemple, in Oslo, I gave a list of 100 names à Oslo, in the report. And these people were Khmer Rouge cadres who were executed in the eastern zone in Kampong Cham province. Notamment. In 1977, what happened until 1977 was part of the ideology. They would like to create new people. They would like them to build dikes and canals and change the way of life. And that happened all from 1977. And at that time, the war in Vietnam also logically happened. I told reporters in France, but they were not convinced. Avec le Vietnam. Je l'ai dit aux journalistes en France, mais ils n'étaient pas convaincus. April 1977, I met refugees in France, and I tuned into radio broadcast, and I heard Kieu Sompon were talking about the war with Vietnam. He talked about Vietnamese invading or coming into Cambodia territory in Mae Mot area. The President, thank you, Mr. Witness, and thank you, Judge Lavergne. The hearing for today comes to an end. The Chamber will adjourn today's session, and tomorrow hearing will resume by 9 a.m. For tomorrow's sessions, the Chamber continues hearing the testimony of Mr. François Ponchot, questions to be put by co-prosecutors and lead co-lawyers for the civil parties in the morning, and in the afternoon session, counsels for Mr. Kieu Sompon would proceed with the questions and followed by counsels for Mr. Nguyen Chia. Mr. Ponchot, your testimony has not yet concluded, so we would like you to return to the courtroom tomorrow. The session which commences at 9 a.m. Court officer is now directed to assist with the Vesu unit to ensure that Mr. Ponchot is well assisted during the adjournment and have him returned to the courtroom by 9 a.m. Security personnel are now instructed to bring Mr. Kieu Sompon and Nguyen Chia back to the detention facility and have them return to the courtroom by 9 a.m. For Mr. Nguyen Chia, he is directed to be returned to the holding cell, where he can observe the proceedings from there through audiovisual means. The court is adjourned.